Hey, comment vas-tu l'ami? J'espère que tu as la forme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu peux voir, le 46, elle est levée, elle est sur chandelle. On va bosser un petit peu sur le châssis. On va monter notamment des goujons renforcés compétition pour remplacer les vis d'origine au niveau des jantes qui ont tendance à casser et qui ne sont pas aussi résistantes que ce genre de goujons qui est vraiment prévu pour un usage intensif, surtout quand on va venir déposer les jantes plusieurs fois par jour. Voilà, c'est bien mieux de passer là-dessus. On associe ça à des écrous également forgés de JR Wheel. Voilà, c'est une super marque réputée qui a pu ses preuves à faire. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai monté sur le 92. J'en suis super satisfait, ça fait le taf, c'est magique, c'est trop bien, c'est confortable pour la dépose des roues et puis voilà, ça permet d'être beaucoup plus serein et de ne pas avoir peur de péter un écrou de roue et de voir une roue dépasser ta propre voiture sur piste. Autre petite chose super sympa, la 328 CI, finalement c'est moi qui la rachète, je la récupère et on va partir sur un projet très 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 lourd, très très sympa également. On va avoir un taf monumental à faire. Je vais te proposer une prépa de A à Z. Je t'en dis pas plus, tu verras ça prochainement. Je vais peut-être te spoiler dans quelques posts que je ferai dans l'onglet communauté de la chaîne. Sinon, je t'invite à venir et à être présent lors du live en décembre. Et puis, je t'en dirai beaucoup plus sur ce qui nous attend sur celle-là. Et puis, tout le taf qui reste à faire sur celle-là également, notamment niveau châssis. Et la boîte, forcément, à faire aussi. Allez, on est parti. Je vais te montrer comment ça se présente. Comme tu peux voir, j'ai déposé les jantes. Tu as une partie, donc, filetage principal qui se retrouve là, la partie la plus longue du filetage. C'est là où va venir donc notre écrou. Donc ça, c'est les écrous qui sont livrés d'origine, qui sont pas terribles. Donc qui vient sur cette partie pour serrer ta jante. Et donc la deuxième partie, celle qui est plus courte ici, là où tu peux apercevoir la butée également, celle-là, c'est celle qui vient dans ton moyeu. Tu peux voir que sur la tête, on retrouve une empreinte BTR. Évidemment, je te laisse imaginer que ce n'est pas ça qui va suffire pour le serrer convenablement dans le moyeu, histoire que bah, quand tu vas venir déposer ton écrou, que ce ne soit pas le goujon complet qui vienne avec. Ça, on ne veut surtout pas de ça. Donc là, pour le montage, je vais te montrer un petit peu comment je procède pour éviter ce genre de choses. Déjà, frein filet fort. Je vais appliquer du frein filet fort donc sur la deuxième partie. J'espère que je vais en avoir assez d'ailleurs. Bon, moyen du bled, hein. Il en reste pas mal dans le pot, donc on va faire avec ce qu'on a. Franchement, ça devrait le faire. Regarde, il y a ce qu'il faut pour pouvoir faire ça correctement. Hop. Tu viens l'appliquer dans ton moyeu. Tu le serres à la main, même pas besoin de prendre la clé. Et donc là, en fait, plutôt que de prendre une clé BTR qui va pas te permettre de serrer suffisamment ton moyeu et en plus de ça que tu vas foirer directement, je prends donc les deux écrous d'origine en 19 qui sont fournis avec les goujons mais qui sont pas d'une qualité forcément folle. C'est pour ça que je passe sur les écrous forgés. Hop, je prends deux clés 19, deux écrous 19, je les mets en contrainte opposée. Et après, ça va me permettre de venir déjà serrer mon goujon de façon plutôt forte déjà. Déjà bien plus qu'avec la clé BTR. Donc là, je réveille à vraiment, vraiment, vraiment bien serrer ça. Et une fois que c'est fait, ça peut paraître un peu bourrin, mais j'y vais carrément à la clé à choc. Dès que tu vois que le goujon, il bouge plus, tu t'arrêtes. Et là, tu viens serrer donc celui qui est dans le fond afin de libérer les deux. Et voilà. Là, tu es sûr d'avoir un goujon qui est bien en place, qui est bien dans ton moyeu et qui bougera jamais. Ouais, parce que franchement, il n'y a rien de plus détestable que venir desserrer ton écrou et puis qu'au final, ton écrou reste sur place et que ce soit ton goujon qui devient libre ou alors avoir un goujon qui prend du jeu. Et là, franchement, c'est pas bon du tout. Et bah écoute, moi j'ai fait deux saisons de track day complète avec le 92 et je n'ai jamais eu le moindre problème. Ils n'ont jamais bougé, ils se sont jamais desserrés. Je te fais un petit time lapse et puis moi je monte ça. Sur piste, après le premier tour de chauffe,
Je fais un resserrage des écrous et je suis bien au-delà des codes constructeurs pour le serrage des jantes. Je suis plutôt à 135-140 Nm. Sache que quand tu check roue levée, c'est vachement important, sinon tu peux faire des mauvais serrages, des faux serrages. Roue levée, tu viens serrer la clé dynamo, tu vas faire un tour de piste, bah, tu peux être sûr que tu vas faire quasiment un quart de tour d'écrou en plus après ton premier tour. Pourquoi? Parce que ça bouge avec les contraintes dynamiques. Tu viens resserrer, ça prend du jeu, avec les montées en température aussi. Donc voilà, hyper important de vérifier tes serrages. Surtout après un premier tour de chauffe, moi je vérifie et c'est vraiment vraiment pas un luxe. Il y en a qui en font les frais et je te laisse imaginer que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Bon, je t'ai épargné le montage de l'autre côté, j'ai fait exactement pareil, même procédure. Je fais l'arrière des deux côtés et on se retrouve juste après. Comme je te disais, c'est du Gearwheel, une super bonne marque. Je vais te montrer un petit peu la différence de ce que donnent les écrans. Donc ceux d'origine, tu vois, moi j'ai été franchement assez déçu. Je pense que pour un usage routier, c'est suffisant. Par contre, si tu vas faire du démontage fréquent de tes roues ou tu as un usage un peu plus intensif, bon, moi je te conseille de passer sur les forgés. Donc déjà, c'est simple. Quand tu compares, tu as deux fois plus de surface de filet à l'intérieur. Et ça aura beaucoup moins de chances de foirer ou d'abîmer tes filets avec ce genre de choses-là. Petite précision aussi, j'ai oublié de te dire, eh bien, ça te fait passer également en 19 au lieu du 17 d'origine, chez BMW en tout cas. Donc tu passes sur des douilles de 19 à la place. Quand tu les mets, fais quand même attention. De préférence, tu les engages à la main. Donc souvent, on le fait pas au final parce que t'as pas que ça à foutre. T'es souvent pressé et puis t'as envie de gagner du temps. Mais si tu tiens à les conserver un minimum de temps, je t'invite quand même, tu vois, à au moins les engager sur quelques filets. Peut-être pas à 10, mais voilà, tu engages ton truc histoire de pas foirer. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal, tu vois, ça fait un petit rappel avec les plaquettes. En plus, c'est pas déconnant. Moi, je suis parti sur une couleur flashy. Voilà, c'est un choix perso, après tu fais ce que tu veux, moi c'est une pistarde, donc voilà, je me suis éclaté un petit peu. Tu les trouves dans des coloris, les écrous là de chez Gearwheel en forgé, donc ces écrous là tu les trouves de toutes les couleurs, tu prends ce que tu veux, voilà. Sur le 92 je suis resté beaucoup plus sobre, je les ai pris en noir. La peinture tient super bien, enfin, en tout cas en noir ça n'a pas bougé. Malgré les desserrages à la clé à choc et tout, franchement ça n'a pas bougé. On peut dire que c'est pas de la merde, j'ai pas eu de casse du tout, rien, ils ont pas bougé, donc ça a l'air d'être plutôt de la bonne qualité. Tu trouves ça sur Drift Shop, tout comme les écrous forgés, Drift Shop aussi. Donc voilà, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur leur site que tu dois très certainement connaître déjà. De toute façon, écoute, je te mettrai les liens des goujons. Ils te font donc soit des goujons à l'unité, ils te font un kit complet, je crois, avec les écrous comme ça, que moi je trouve pas très terrible, comme je t'ai dit, et les goujons pour équiper l'ensemble de la voiture. Et par contre, ceux-là, c'est à part. Hein, si tu veux partir sur des écrous forgés, voilà, c'est pas avec, c'est un truc que tu prends à voir. Et puis, je pense pas que tu aies beaucoup de vidéos de montage de ce genre de truc. Donc, c'est un petit update fort sympa à faire en tout cas. C'est simple, rapide, efficace, ça te fait gagner du temps. Franchement, voilà, j'espère que ça te servira. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao !